Il va donc partir pour Washington et c'est là qu'il fera la connaissance de Briand, près de qui ensuite il passera cette année de sa vie et de sa carrière diplomatique. Alors comment était-il à cette époque-là? Quels étaient vos rapports avec lui? Est-ce que vous sentiez le poète? Est-ce qu'il parlait de poésie? Quelqu'un même savait qu'il était poète? Non, pas du tout. Je crois que le passage de Léger auprès de Briand a été pour lui une espèce de révélation. Ça a été son chemin de Damas au point de vue diplomatique. Il était entré au service diplomatique avec l'idée, mon Dieu, que c'est une occupation qui lui permettait de voyager. Il adorait les voyages, c'était un moyen de voyager et un moyen d'écrire tout en gagnant sa vie et la vie de sa famille, puisqu'il était soutien de famille. Responsable. Correctement. Il a donc été en Chine, il a voyagé. Et à ce moment-là, pendant tout ce temps-là, on ne voit d'autres préoccupations chez lui que ça, voyager, écrire. Et puis tout d'un coup, il arrive auprès de Briand, il découvre la grande politique, et il découvre qu'il peut avoir un rôle, et un rôle de premier plan. Et alors à ce moment-là, il y a une espèce de cassure qui se fait en lui. À ce moment-là, il oublie qu'il est écrivain, il oublie qu'il a une vocation, et il ne pense plus qu'à son personnage politique. Il me l'a dit un jour, où il était en confidence, il me l'a expliqué. Il y avait quelqu'un de passage qui m'avait apporté cet exemplaire de l'Amitié du Prince qui est en manuscrit, facsimilé de manuscrit, en me demandant si Léger pouvait lui dédicacer. C'est un père qui lui dédicacer. Alors je pose l'ouvrage sur son bureau, je lui demande si vous pouvez mettre un mot pour monsieur un tel. Il regarde, il me dit, Saint John Perse, qui est-ce? Alors, naturellement, vous ne pouvez pas quand même maintenir cette position trop longtemps. Excuse-moi. Alors il m'a dit, écoutez, voilà, en ce moment, je suis fonctionnaire, je suis au service de l'État, et je ne suis qu'au service de l'État. L'écrivain, le poète, c'est oublié. Par contre, quand je quitterai ce fauteuil, à ce moment-là, j'oublierai le fonctionnaire, j'oublierai l'homme qui est au service de l'État, et je reviendrai à la littérature, et il n'y aura plus que cela. Quelle était sa façon d'être, d'exister, sa façon de travailler J'étais un gros travailleur. Était un gros travailleur. Il arrivait à son bureau ayant déjà travaillé chez lui, lu la presse et tout. Il travaillait très tard le soir. Il avait une très grande puissance de travail. Il était très souvent là le samedi et le dimanche. Et je m'en apercevais puisque j'étais obligé d'être là avec lui. Il voyait beaucoup de monde. En général, l'après-midi était réservé à des visites, à recevoir. À un moment donné ou à un autre, il n'y a pas de personnalité qui ne soit pas venue dans son bureau, qui n'ait été voir à son hôtel, quand c'était une personnalité très importante. Il adorait Briand. Il le considérait un petit peu comme un père, pour lequel il avait une grande admiration, mais aussi une grande affection. Il a été très ému par la mort de Briand, très ému, très, très chagriné, très profondément peiné. Je l'ai vu pleurer. Quel était donc cet homme qui, du fond de la mort, avec la même chaleur humaine, tient encore sur nous son regard de vivant? Une large humanité jointe à l'individualisme secret de tous les créateurs. Un sens égal de la solitude et de la foule. Un mélange de rêverie et d'action où l'audace du songe sollicitait toujours l'épreuve du bon sens. Toute l'aristocratie foncière d'un être de haute frondaison, nourrie aux fortes racines de l'arbre populaire.